Bon, je cherchais quand même un petit Airbnb pas cher, une petite location de maison pour ce week-end, ce serait pas mal. Oh, un manoir. Oh, c'est vraiment, vraiment pas cher. Vraiment, genre, mais c'est... C'est limite louche, mais bon. J'ai pas de thune, c'est la Hesse. YouTube, ça marche pas de ouf en ce moment, donc... Il faut que je... Ouais, on va partir sur ce petit manoir, pas trop cher. Je vais demander à des potes à moi s'ils sont intéressés pour venir à ce manoir avec moi, comme ça on coupera le prix en plusieurs et ça sera encore moins cher, mais c'est parfait. Qui je vais appeler? Alors, lui non, elle non, c'est une grosse chouin, ça m'intéresse pas. Lui je l'aime pas non plus. Lui non, ça va pas être possible, il pue. Ah, lui là. Bon, il est pas fou. Mais bon, j'ai pas vraiment beaucoup de contacts dans mon téléphone. Ok, bah je vais appeler mon pote là. Allô, ça va ou quoi? Ouais, le sang! Comment tu vas, le sang? Tranquille, ça fait quoi le sang? Bah écoute, j'ai trouvé un méga bon plan pour ce week-end. On va faire une bête de soirée dans un manoir. Et je l'ai loué pour le week-end, tranquillou. Ah, ça veut dire que tu payes. Ouais, on va s'arranger, t'inquiète, on va s'arranger. Mais tranquille, tu payes, c'est bon, tranquille, le sang, vas-y. Au pire, invite ton pote là, le mec qui est vachement friqué là, qui a plein de sous, on va le faire payer. On va faire genre c'est la moitié du prix, mais pas du tout, il va payer plein pot, mais faut pas lui dire, ça marche? Vas-y, go, vas-y, vas-y, je On fait téléphone, ça? Ok, je bah vais. rendez-vous dans 1 heure à l'aéroport, on prend l'avion et on y va, le sang. Vas-y, je vais téléphone, tranquille, le sang. Vas-y, appelle-le, j'arrive. Ah, je préparais mes petites valises pour un week-end. Alors, ils sont mes affaires, ils sont là. Hop, je vais prendre mes affaires. Et voilà, petit bagage. Rendez-vous à l'aéroport. Ah, elle est où ma moto? M'a volé ma moto. Ok, elle était là ma moto. Allez, je vais à l'aéroport. Ça va, j'habite pas trop loin. Hey, yo les sangs! Ouais, sang, mais au bon Ouais, ça sang. va quoi? Ça va tranquille? Alors Mais tranquille, sang. vous êtes hypé, vous êtes chaud pour ce week-end au manoir? Ouais, trop T'inquiète. chaud. Ça marche, On va bah archi. venez, on va prendre le petit avion. Ouais, le sang! C'est Le comment on appelle sang. ça? C'est le spring break. It's a spring break. Oh, yeah. Yeah, c'est Yeah. speed break. Allons-y, on va aller à ce Alors que la manoir. version de Kylian Mbappé. Bon, après, c'est des sortes de chambres d'eau, donc il y aura d'autres personnes avec nous, mais t'inquiète, on va passer une bête de soirée. Allez, on y va. Descends, je suis bloqué Allez. le sang. Le sang! Le sang, c'est bloqué. En même temps, tu es sur le mauvais tapis, Ok, monsieur. c'est pour le sang. Allez, on prend l'avion. Ah, oh, c'est pas mal là. Hey, oh. C'est Je voulais pas bien. l'acheter tout le sang, moi Oh, je le voulais faire du bruit. champagne. Le shampoing, il est où le shampoing? Hey, j'ai pas payé 3 dollars la place pour pas qu'on me serve de shampoing là. Elle est où la Elle est dans la l'hôtesse? cuisine. Elle est dans la Ça va. cuisine. Pizza, C'est ça la pizza, cuisine. C'est ça la pizza. cuisine de Ah, ça. c'est Pizza. donc on nous aurait menti. Pizza. Incroyable. Allez, je vais faire un petit somme le temps qu'on arrive au manoir Vas-y, le sang, tranquillou. t'auras avec toi le sang. Allez. Oh, ça bouge bien, hein, l'avion, hein? Allez, bonne nuit. Ouais, c'est avec ton poids le sang. A few moments later. Bon, les gars, on est arrivé. Là, il faut Ouais. prendre un bus là pour arriver au manoir. Bah, on va prendre celui qui revient ici là. C'est notre bus là. Pourquoi Ok. lui il est beau, lui il est beau. Non, Non, le non, train non. est mieux. Non, Ok, non, bon. non. Non, 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 venez là. Allez, on rentre dedans. Allez, moi je suis dedans déjà. Oh, Franck, comment tu vas, Franck? Je Je fais me pas des sens à muscles, côté ma de lui. gueule. Oh, il a les muscles. Oh, fais pas chier Franck, il va nous faire faire un accident sinon. J'aide pas Ah, sa coiffure. t'inquiète, Franck. T'inquiète, Franck. Tout va bien, Franck. Est-ce que je peux m'asseoir là? Juste des yeux. Allez, on y va, Franck. On n'a pas ton temps, Franck. Il y a Nous, des toilettes, il y a des toilettes. on paye un Airbnb là. C'est pas pour Allez, passer Franck. notre temps dans ton bus, Franck. Allez, Franck. Oh, il a l'air un peu énervé, Franck là, quand même. Alors, attends, attends, C'est pas grave, attends. Franck. Ce n'est pas drôle, Franck. Tu as failli lui donner une crise cardiaque.
Ah ok, je suis désolée. Je pense qu'il a essayé de nous faire une blague, mais elle était ni drôle et elle a fait peur à tout le monde. Franck, arrête, Franck. On a passé un bon week-end, nous. Ah, Kava, elle a peur de rien, elle aussi. Elle a peur de rien. Ah ouais? Moi, je serais pas restée dans une maison hantée. Attends, Franck, on n'a jamais dit qu'on allait dans une maison hantée. Moi, je veux pas aller dans une maison... On m'a dit un manoir. Et... Oh, ils ont pas peur, ici. Et moi, je suis... Moi, je suis venu là pour passer des vacances, c'est une soirée. Moi, je... Bah ouais. Moi, sur l'annonce, il y avait marqué « Joli petit manoir » pour passer un week-end tranquillement. On m'a jamais dit que c'était une maison hantée, les gars. Oh. Non, mais est-ce qu'elle a... Est-ce qu'elle... Attends, on est arrivé, là? Mais est-ce que... Est-ce qu'elle est vraiment... Mais elle a pas l'air du tout hantée, regardez, elle est charmante cette maison. Mais elle est mignonne. Ok, on y est. Ok, Franck. Merci, Franck. Ok, ah, vous en pensez quoi, Franck, les gars? T'es sérieux? Bah oui, je crois qu'il a l'air vraiment très sérieux là. Absolument. Tu as. Enfin, il... Oh, il l'a traité de poule mouillée. En même temps, il pleut. Canille. Allez, je n'ai on pas y peur. Va, c'est pas... Allez, on y va. Ouais, genre. On y va. Ok, il viendra nous chercher demain matin, ça marche, nickel. On a la soirée pour faire la fête. On y va, c'est bon. C'est bon. Bah écoutez, je trouve que ce manoir a l'air plutôt charmant. Mais il est spacieux, c'est bon. Mais oui. Oui, il est cool. Bah oui, il est très beau, regarde, très pastel, très violet. Très, ouais. Oh, c'est vrai, elle a parlé de cuisine et de bouffe, j'arrive tout de suite. Ok, pizza, faut qu'on... Pizza. What? Ah non, j'étais pas du tout au bon endroit. Oula, on a même un majordome. Attends, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a dit que le maître de maison nous attendait. Mais attends, moi j'ai loué la maison. Pourquoi le maître de maison, il est là? Ah, il s'est occupé de nos chambres. Bah parfait, merci beaucoup. Et bientôt, il nous fait à manger. Non mais sérieusement, il nous fait... le mec, il nous fait à manger, tout ça. Non, mais franchement, en fait, ça vaut le coup, hein. Il faut qu'on visite un petit peu. Par contre, on est d'accord que c'est un peu bizarre, ces petites flaques vertes, là, dans la cuisine. Non, c'est pas chelou, genre? Il y en a même là, dans l'escalier. Mais dans l'escalier, il y en a partout. Ouais. Mais en fait, je mettrais une mauvaise note à ce Airbnb. Viens, on prend la chambre là. La jaune, elle a l'air bien. Ok. L'orange. Je suis fermé. Ça fait peur. Viens, on prend la chambre. Je sais pas, il y a une chambre qui s'est fermée. Il s'est dit, essayer de trouver la clé. Vas-y, on prend la chambre. J'arrive. Trouver la clé. Ah, je m'en fous, moi j'ai ma chambre. Ah bah, Y'a bonbon. J'ai un bonbon. La chambre verte. Elle est bien la chambre verte. Bah moi je suis avec Cani dans la même chambre. Ah, et toi mais t'es. Moi, bah oui on est dans la verte. Ouais. Non pas grave, moi je préfère être seul. Vous. Vite, il faut aller dans la cuisine. Il est énervé lui un petit peu genre. Pizza. Prends les bonbons. Pizza. Et moi je m'assis là hein, parce que moi je me mets en tête de table. Hein. Et plus vite la bouffe là. Plus vite, j'ai faim. Bon, pizza. On a faim. Ah. Du poulet. Ah, il a un dessert pour nous. Ah, il va aller faire le dessert. Ah bah plus vite que ça, majordome, j'ai faim. Bah j'ai pas des desserts. Mon gueux va. Sale gueux, ouais. Ça c'est bizarre, ouais. C'est vrai que le mec, il savait qu'on allait arriver, il nous connaît et tout. C'est genre trop chelou. Ah ouais, bah lui il pense qu'il a la bouffe hein, lui aussi. Non ça c'est Franck quoi, il nous a stalké. Ouais ça c'est Franck. Oh what? C'était quoi ça? C'était quoi ce truc? Il faut voir d'où ça vient. Ça c'est le maître de maison. What? Qu'est-ce qui se passe? What? Attends. Halt. Mais attends, d'où moi je crois que je vais... Oh what? En plus je suis juste à côté. Ah merci. Je me barre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les axophones, les aiment toki. Il faut utiliser... faut prendre les épées par terre pour tuer les... I am is dead. Crève. Non. Non. Non, t'es vraiment tombé au combat. Ah, c'est un nouveau combat. Eh, j'ai découvert quelque chose, vous êtes où? On est dans le hall. On a perdu un homme. Il faut qu'on se barre, c'est pas grave, on laisse le cadavre de Kratos ici. Je suis bloqué derrière une porte. Qu'est-ce qui se passe encore?
Vous n'allez pas échapper. Si, je me barre. Ouvrez la porte. J'ai une hache, je dois défoncer cette porte. Qui est-ce? Je suis ton père. Ah. Donc on se barre. Ça fait longtemps que j'ai entendu pour de nouvelles victimes. C'est parfait. Non, c'est pas parfait. Je ne serai pas ta victime. Quoi? Qu'est-ce... Il faut qu'on trouve une sortie. Bon, c'est bon, j'ai mon arme. Ok, faut qu'on trouve un passage, je pense. Là, je parie qu'il y a un truc, là. Oh, faut pas... En fait, faut pas marcher sur les flaques vertes. Ah, ok. Mais moi, j'avais vu des portes... Dans la cuisine. Dans la cuisine, ouais, il a dit qu'il allait nous faire un dessert. Ah ouais. Attends, il y a un truc là sur la table, je vais le ramasser, il y a une clé rouge. Bah viens. J'ai trouvé une clé rouge, attends. C'est... Il y avait une porte qui était fermée, en haut, avec une porte rouge. Ouais, donc, bah oui. On a récupéré une clé rouge, on va l'ouvrir la porte. Ouais. On va enlever le cadenas. Come here. Attends, il est en bas, ouais, il est... What the fuck? Hein? Il faut qu'on trouve un passage pour sortir d'ici. Mais oui, ils disent derrière une peinture, mais c'est celle-là. Ah, mais attends. Il y a la porte, elle s'est ouverte, là. Ouais. Il a dit, il faut trouver un passage derrière une peinture. Et j'ai l'impression que ça nous montre les peintures. Ok. Wow. Ah, d'accord, là. Il est pas très content, lui. Oula, des zombies. What the fuck, c'est devenu Walking Dead. Et moins 1. Et moins 2. Et moins 3. Attends, c'est un labyrinthe ici? Ouais, j'allais le dire. Oh non, ce prochain truc, ça va être un labyrinthe. À skip, faut toujours aller à droite. Moi, j'aime pas les labyrinthes. Moi non plus. Je suis sûre en plus, il y a des pièges dedans. Vos actions ne seront pas tolérées. Oh bah les couilles, frère. Laisse-nous sortir. Ah, il commence à faire nuit. Il y a peut-être une lampe torche. Wow. Ah, il y a une là-haut, je pense. Ah. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, faut qu'on court. Hein. Sinon, on va mourir. C'est tout? Moi, je pensais que le labyrinthe allait être conséquent. Ah! Qu'est-ce que t'as fait? Je suis là. Regarde, là, il y a une petite lampe torche là. Oh. Mais attends, c'est un fantôme là où je rêve. T'as pas un aspirateur, on l'aspire, Jean? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on a entendu? Mais en fait, en vrai, le maître de la maison, il est mort, c'est un fantôme. Oula! Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous abusez dehors? Je... Eh, faut revenir parce qu'il va y avoir une tempête. Non mais le mec, il a cru qu'on allait dehors pour jouer au Playmobil. Alors qu'on est en train de se faire poursuivre par un fantôme. Ah mais la buanderie, elle est dégueulasse, regarde, il y a des flaques partout encore. Vous n'avez pas vu le fantôme? Putain, le majordome, il voit pas grand chose, hein. Mais quel fantôme! Il fait deux fois ma taille, le majordome. Tout va bien. C'est normal. Celui-là qui a crié et qui nous a attaqué avec ses sbires. Je n'ai pas entendu et pas vu quelque chose. Ok. Ok, il faut qu'on parte. Merci pour votre hospitalité, mais. Mais quoi? Ah, on peut pas partir parce qu'il y a la tempête qui nous dit. Mais monsieur le majordome, laissez-nous partir, on veut rentrer! Faut qu'on aille enterrer notre ami qui est mort. Faut qu'on reste pour la nuit. Et on pourra partir quand... Non, je suis pas trop d'accord, moi. Ouais, il veut qu'on reste. Ok, non, viens, on va vers les chambres. Je suis sûre que c'est ce qu'il va nous demander après. Il va nous dire oui. On... Aller dans les chambres. Ah, il faut qu'on aille se laver. Et puis quoi L'autre, il a cru que c'était notre daronne. Il nous dit d'aller nous laver et tout. Bonjour, c'est pris? Oh, c'est pas grave. Allez, on se lave dans le lavabo. Et moi, je vais dans la baignoire. Ah. De l'eau bien chaude comme ça. Ah oui. Non, c'est moi, il y a une... Oula. Faut qu'on aille dormir. Attends, on est de l'autre côté, nous. Oh merde. On est là, dans la chambre verte. Oh non. Eh bien, on a perdu un ami au combat aujourd'hui. Oui. Bon, c'est pas grave. C'était le pire qui est décédé. C'est pas grave. Quelque chose sent bon. Est-ce que vous sentez ça? Attends, un truc qui sent bon.
Mais non, ça pue la merde, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il a fait le dessert, oh, le majordome. Vas-y, go, on va dans la cuisine. Pizza, pizza. Ouais, un dessert pizza. Bah si, il y a des pizzas au Nutella. Hein. Ouais. Oh. Ouais. J'ai pas jamais goûté. Allez, je reprends ma place. Ah. Il y a le fantôme, il faut qu'on dise notre lampe torche. Allez, hein. Il est là. What the fuck? Toi t'es là avec ton, tes petits bonbons là. C'est une citrouille. Voilà. Il est où maintenant? Il est où? Ah, il y a eu un bruit. Ah, c'est le majordome. Oh, il a eu peur. Oh! C'est un fantôme. Il faut lui demander si... Il faut la... Non, on l'attaque pas. On l'attaque pas, à droite. Option 2. Non, je veux pas taper le majordome. En gros, on lui demande, on l'attaque ou bien on lui demande si c'est un fantôme. Majordome, est-ce que vous êtes un fantôme? Mais non, il parle du majordome. Mettez, faut qu'on mette notre lampe torche dessus pour voir si c'est un fantôme. Non, mais j'ai vu. Tu vois, on l'aurait assassiné pour rien, on aurait été des assassins. Moi, je l'aime bien. Désolé. Est-ce qu'on remplacerait pas notre pote qui est mort avec le majordome? Ouais. Il a l'air quand même beaucoup plus sympathique que. Il y a un coffre ici. Apparemment, on l'a juste fait fuir, mais on l'a pas encore tué, les fantômes. Oula, option 1, il faut qu'on descende. Option 2, courir dans la tempête. Bon bah, on va suivre les votes des autres, hein. On va aller en bas. Allez, on descend en bas. J'ai même pas peur, hein. Pas comme si les caves c'était ma phobie. Tout va bien. D'accord. On est dans une sorte de cave à vin, il faut qu'on descende en bas. C'est la fin. Oh. Oh. Bon, je pense que nous avons un petit parcours à traverser. Bon. Allez, moi j'y vais déjà. Je suis parti, moi, regarde. Je suis parti, moi. Allez, on y va. Oh non, ça... Oh non. À droite, là. Puis ensuite, moi, je sens ça va se casser. Oh! Il y a un fantôme! Derrière. J'ai pas l'impression. Faut éviter ces trucs! Non! Aïe! Non! Je t'ai vu, t'es tombé! Il y en a une qui est tombée. Attends, je suis toute seule là? Je suis vraiment seule? Tout le monde est mort? Oh non! Aïe! Attends, est-ce qu'on peut sauter par-dessus ces ondes? J'ai l'impression que... On peut pas les l'éviter. Faut qu'on attende qu'il soit faible. Mais non, il y a un truc à faire, sinon il fait ça à l'infini. Je pense qu'il faut qu'on y aille. Attends, quoi, le fantôme est plus fort? What? Non. Oh.